donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était encore inconnue, je n'y étais jamais venu. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. J'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons, j'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous 25 rue de la Grange Loup, mais il ne m'a jamais revu. Il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage. Et ce fut son dernier rivage. Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, à l'ombre d'un jardin de pierre, je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessous les roses. Mon père, mon père. Thank you.
de Nantes.